Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Dans la vidéo précédente, j'ai abordé avec vous l'histoire rapidement de la guerre de Corée. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment se présente concrètement la frontière encore aujourd'hui et quels enjeux géopolitiques on y retrouve à l'échelle locale, régionale et mondiale. On arrive donc au petit 2 de ce grand 3, une frontière fermée, militarisée et idéologique. Eh bien, on va décomposer ce petit 2 en trois grands axes. D'abord, grand A, une frontière fermée. Il s'agit ici d'étudier la matérialité de la frontière, comment se présente la frontière concrètement. En quoi elle est un cordon sanitaire entre les deux États, en fait. Ça se voit assez rapidement, puisqu'on y retrouve des clôtures électroniques, des miradors, des champs de mines, des points de contrôle et d'observation, des tranchées, enfin tout ce qui fait rêver. Dans le document que vous allez pouvoir voir maintenant et que je vais m'empresser de regarder moi-même pour le commenter, on voit qu'il y a une frontière hermétique. Hermétique, pourquoi? Parce qu'on n'y passe pas. Physiquement, il y a un double mur de 3-4 mètres de haut avec des barbelés à 2 km de part et d'autre de la ligne frontalière elle-même. Donc, autour de la frontière, on a aussi une zone dans laquelle on n'est pas censé rentrer. C'est une ligne de séparation stricte, sous contrôle militaire, et elle fait 248 km de la mer Jaune à la mer du Japon. Maintenant, donc, c'est une frontière fermée, c'est une frontière militaire. J'approfondis un petit peu là-dessus. Je vous ai dit la dernière fois que les deux pays avaient signé un armistice. Un armistice a été signé, mais pas un accord de paix. Les deux pays sont toujours officiellement en guerre. Ce sont deux régimes opposés. Eh bien, on a à l'intérieur de cette zone frontalière une zone démilitarisée, Demilitarized Zone ou DMZ, on le dit en anglais puisque c'est l'héritage de la présence américaine. Hein. C'est l'ancienne ligne de cessez-le-feu qui est devenue finalement la frontière entre les deux États. Et cette zone démilitarisée est donc militarisée. J'en veux pour preuve l'article qui suit. C'est un article du West France du 10 octobre 2017 que je vais avoir sous les yeux tout de suite. Je vous en lis seulement la première partie. Une fois l'armistice signé, la zone démilitarisée est créée, faisant ainsi office de frontière. Pourtant, cette zone démilitarisée ne l'est en réalité pas du tout. Elle est surveillée en permanence par quelque 700 000 soldats nord-coréens et 410 000 soldats sud-coréens, épaulés par les soldats américains. Tout le long de cette frontière hermétique, on estime le nombre de mines à 1 million. Au milieu de la partie occidentale de la frontière, la Joint Security Area, JSA, qu'on dit en français zone commune de sécurité, est le seul endroit où l'armée nord-coréenne et les forces américano-sud-coréennes se font face directement. Le site, sous contrôle de l'ONU, est surveillé jour et nuit par plusieurs centaines de soldats des deux côtés. Voilà, donc on a à la fois cette zone démilitarisée, où on trouve très peu de présence humaine et dans laquelle sont interdites les armes lourdes, c'est en ça qu'elle est démilitarisée finalement. Et puis on a également une zone de contrôle des civils, qu'ici on va appeler aussi la Civilian Control Line. Elle fait une largeur de 5 à 20 km de part et d'autre de la frontière. Elle sert de zone tampon avant la frontière elle-même. À l'intérieur, il peut y avoir une population, mais la circulation et les activités sont contrôlées. Cette zone a donc un caractère inédit, de nombreuses lignes et zones qui établissent une séparation stricte et absolue sont présentes dans cette frontière. Il y a un unique point de passage sur toute cette frontière, sur toute la longueur de la frontière. C'est ce qu'on appelle la zone de sécurité conjointe, Joint Security Area, JSA. C'est l'ancien village de Panmunjom avec des baraquements bleus des Nations Unies qu'on y retrouve. L'unique point de passage où se font face les militaires, mais aussi des lieux de rencontres diplomatiques. Toutefois, tout n'est pas maîtrisé par les États dans cette frontière. L'armistice ne statue pas sur les frontières maritimes. Il y a des tensions répétées dans la région. La Corée du Nord ne reconnaît pas la limite nord dans la mer Jaune. Et il y a également, de façon plus terrestre, des tunnels d'infiltration qui traversent la frontière.
Je peux citer par exemple l'exemple d'une infiltration d'un commando de la République populaire et démocratique de Corée le 17 janvier 1968 pour infiltrer la République de Corée au sud. Cette frontière est donc la frontière chaude la plus militarisée au monde. L'hostilité politique entre les deux régimes se traduit par les nombreuses personnes tuées dans la zone au cours de l'histoire. Je vais continuer l'article que j'ai commencé tout à l'heure du West France qui va nous indiquer un petit peu en quoi cette zone est une zone qui est aussi une zone idéologique. De chaque côté de la frontière, des haut-parleurs visent à pousser des Coréens à remettre en cause leur régime respectif. La bataille de l'image se poursuit même jusqu'aux hampes de drapeau. Tout près de la JSA, côté nord, le régime a installé une hampe de drapeau de 160 mètres de haut pour rivaliser avec celle de la Corée du Sud, de l'autre côté de la frontière, d'une hauteur de 100 mètres. Cela lui vaudra le nom de village de la propagande par les Sud-Coréens et les Américains, quand les Nord-Coréens l'appellent, eux, le village de la paix. Quelle est cette concurrence idéologique dont on parle? La frontière ne sépare pas deux États jumeaux qui fonctionnent selon le même modèle politique et économique. Au sud, au contraire, on a un État devenu démocratique progressivement. Le dictateur Syngman Rhee quitte le pouvoir en 1960, il meurt en 1965. Il y a une tentative de république parlementaire entre 1960 et 62 qui échoue finalement. Et de 62 à 1980, on a une troisième puis une quatrième république qui sont finalement dictatoriales. Elles sont dirigées par le seul et même homme, le général Park Chung-hee. Et ensuite, à partir de 1980, on va commencer une transition vers la démocratie sous la cinquième république en 1980 et ensuite sous la sixième république depuis 1988. Donc on a un régime démocratique. Économiquement, en plus, la Corée du Sud se lance dans l'industrie lourde dans les années 1970 et elle rattrape largement son retard. La population est aujourd'hui l'une des plus riches du monde, comme vous devez le savoir. Voilà pour ce qui est de la Corée du Sud. Mais la Corée du Nord, elle, c'est le contraire. C'est pour ça que je dis que ce ne sont pas des États jumeaux. On a toujours la dictature du Parti communiste avec une économie planifiée dont les rendements sont insuffisants pour satisfaire les besoins essentiels de la population. Par exemple, il y a eu une très grande famine dans les années 1990 avec des dizaines de milliers de morts. C'est un pays qui, en plus, est dominé par la dynastie Kim. Kim Il-sung, le fondateur du régime, meurt en 1994. Son fils Kim Jong-il lui succède, puis il meurt en 2011. Et il est remplacé par son fils Kim Jong-un. C'est un modèle unique de dictature communiste héréditaire, ce qui semble a priori antinomique normalement. En résumé, deux images peuvent refléter ces choses. Ces images, vous allez les voir maintenant. Et puis, vous allez voir également une carte qui résume un peu les choses. On voit sur cette carte un Sud qui fonctionne avec l'économie de marché et qui est devenu une démocratie libérale et un pays riche. Vous voyez un diagramme, par exemple, qui nous montre qu'on a presque 70% de l'économie qui est consacrée aux services, au secteur tertiaire. Au nord, un régime communiste qui est resté autoritaire et qui s'est fortement appauvri, surtout depuis que ses partenaires communistes ont disparu avec la chute du bloc de l'Est. Seule la Chine permet finalement à la Corée du Nord de ne pas être complètement isolée. La frontière est donc ici un moyen d'empêcher une contamination idéologique venant du voisin, surtout pendant la guerre froide. Aujourd'hui, c'est surtout le Nord qui est sur la défensive. Le Sud ne craint pas d'être dominé par le Nord. Avec ce que je viens de vous dire, ça doit vous paraître logique. Et on arrive donc à cette dernière partie maintenant, le 3. Deux mondes qui s'opposent, les enjeux politiques à différentes échelles. Première échelle, l'échelle locale. Cette herméticité qui est censée être la réalité de cette frontière, en fait, elle a des limites. D'une part, des limites sonores, puisqu'il y a un paysage sonore très important. On a des discours idéologiques diffusés par-dessus le mur, d'un côté comme de l'autre. On a également des ondes radiophoniques non autorisées qui sont envoyées vers la Corée du Nord.
Il y a les passages souterrains dont j'ai déjà dû parler, des passages souterrains aussi de personnes qui veulent s'enfuir. Également la fuite de militaires du nord vers le sud, et tout ça, tous ces exemples, constituent autant d'objets de tension entre les deux États. À chaque fois qu'il y a un de ces événements, il y a forcément des tensions qui émergent entre les deux États. Grand B, maintenant, donc les enjeux à l'échelle régionale. Régionale, ici, c'est entendu au sens large du terme, hein, c'est-à-dire continental un peu. Deux enjeux. D'une part, la Corée du Nord constitue un glacis stratégique pour la Chine. C'est un instrument aussi de stabilisation politique et militaire pour les États-Unis, le fait qu'on ne touche pas à cette frontière. Et enfin, pour le Japon, la troisième puissance importante historiquement de la région, c'est un point d'équilibrage des formes régionales. C'est là qu'en fait vont s'affronter les puissances importantes. D'un côté, pendant la guerre froide, le bloc de l'Est face au bloc de l'Ouest, et puis aujourd'hui, la Chine face aux États-Unis. La question dans la région de la bombe nucléaire se pose. On sait que la Corée du Nord détient la bombe nucléaire depuis 2006, et ça questionne sur la nature du front qui sépare les deux États. Ils sont à la fois entre guerre et paix. Ils sont officiellement en guerre, mais ils font des efforts pour être en paix. La présence de la bombe nucléaire, ça envenime les choses, sachant que la Corée du Sud n'a pas l'arme. Et la dernière échelle, l'échelle mondiale, c'est un lieu de polarisation idéologique. Lors de la guerre froide, l'enjeu n'est pas la Corée elle-même, mais la lutte entre deux blocs qui veulent dominer toute l'humanité. C'est finalement un enjeu qui correspond à l'esprit du communisme. Pour le communisme, c'est l'aboutissement naturel de l'histoire que d'arriver à cette structure de la société communiste. Les États-Unis, quant à eux, dans cet affrontement, se voient comme un rempart de la liberté. Une victoire en Corée aurait été un symbole pour toute la planète. Or, on sait qu'en 1953, on est revenu à un statu quo antebellum. Je mets au défi la première personne qui saura me traduire cette expression latine. Ce statu quo antebellum n'a pas bougé malgré la chute du bloc de l'Est et le passage de la Chine vers l'économie de marché. Conclusion. Vers un rapprochement des deux frères ennemis, c'est la question qu'on peut se poser actuellement. Il y a des zones de rencontres familiales depuis les années 2000 dans la zone touristique du mont Kumgang. Elles sont organisées, ces rencontres, et orchestrées aussi par les deux États, mais elles sont quand même faites sous haute surveillance et fortement médiatisées. La division politique est incarnée dans la séparation physique de familles anciennement unies, donc le fait de réunir des familles sous le contrôle des deux États quand même, ça indique quand même un rapprochement, une bonne volonté de la part des deux parties. Autre exemple, en 2018, la Corée du Nord a participé aux JO d'hiver organisés dans le Sud, donc dans un État dans lequel elle est encore en guerre. En avril 2018, Kim Jong-il a rencontré le président de la République de Corée au sud, Moon Jae-in, qui est au pouvoir depuis 2017. Ils se sont rencontrés au point de passage de Panmunjom, donc vous savez que c'est l'unique point de passage officiel. Ça a commencé par Kim qui franchit la frontière comme c'était prévu à l'avance dans le déroulement de la rencontre. Et finalement, le président Moon fait de même à l'invitation du président Kim. C'est une première depuis la guerre. Les chefs d'État ennemis sont passés dans l'État avec lequel ils sont en guerre. Je vous laisse voir cet événement en vidéo à partir d'un reportage de journal télévisé maintenant.
Et puis pour compléter ce que vous venez de voir, je vous lis un article de l'Express du 24 juillet 2018 sur les réchauffements des relations entre les deux États. Les deux Corées s'appuient sur le sport pour mettre en scène leur rapprochement. En février dernier, lors des Jeux Olympiques d'hiver, elles avaient fusionné leur sélection féminine de hockey sur glace. Depuis, les deux Corées ont relancé les études pour la connexion de voies de chemin de fer et de routes transfrontalières. En accédant au réseau nord-coréen, la Corée du Sud obtiendrait une voie terrestre vers les marchés chinois, russes, voire européens. Tout cela ne se concrétisera qu'avec la levée des sanctions, or celle-ci ne sera décidée qu'à Washington. À l'issue du sommet de Singapour, dans sa déclaration conjointe avec Donald Trump, Kim Jong-un s'est engagé en faveur de la dénucléarisation complète de la péninsule. La bonne volonté nord-coréenne n'est pas fortuite. Les sanctions ont freiné un développement économique que Kim Jong-un a placé au cœur de sa stratégie politique. Afin d'encourager Kim Jong-un sur le chemin de la paix, la Corée du Sud, comme les États-Unis, multiplie les gages. Tandis que Donald Trump a accepté la suspension des manœuvres militaires conjointes entre les armées américaines et sud-coréennes, le gouvernement sud-coréen a fermé les bureaux à Séoul d'une fondation dénonçant la situation des droits de l'homme au Nord. Pour sa part, Pyongyang a annulé la manifestation annuelle contre l'impérialisme des États-Unis. Cet article donc nous montre des signes forts de bonne volonté en 2018 d'un côté et de l'autre. Autre signe important, les deux dirigeants coréens se sont rencontrés du 18 au 20 septembre 2018 à Pyongyang, donc la capitale nord-coréenne, et ils ont conclu un accord militaire et économique. On se dirige donc vers la fin officielle de la guerre et une dénucléarisation de la péninsule et enfin aussi une coopération économique entre les deux États. Tout semble donc progresser entre les deux États, mais les enjeux géopolitiques sont toujours là. Séoul ne peut pas conclure d'accord économique avec Pyongyang tant que les sanctions de l'ONU n'ont pas été levées, ça serait illégal. Et les États-Unis, quant à eux, ne voient pas leur intérêt dans cet accord. Je vais vous lire la deuxième partie de l'article que j'ai commencé tout à l'heure, à propos des accords qui tentent d'être établis entre les deux États. Mais Washington s'y oppose, estimant qu'un tel traité ouvrirait la porte à une demande de la République populaire démocratique de Corée, et vraisemblablement de la Chine et de la Russie, de dissoudre le commandement des Nations Unies chargé de faire respecter l'armistice, voire de retirer les troupes américaines déployées dans le Sud, ce qui affaiblirait l'alliance avec les États-Unis. L'accord militaire a comme objectif la cessation des hostilités militaires dans les régions d'affrontement, telles que la zone démilitarisée, la suppression du risque de guerre dans toute la péninsule coréenne et la fin des relations hostiles. Pour Séoul, la réduction de la tension favorisera les progrès vers la dénucléarisation. Vous voyez donc que finalement, ce n'est pas la question que des deux États, c'est la question aussi des puissances extérieures. En guise de conclusion, on peut donc également dire que la frontière intra-coréenne est une limite totalement fermée. Vous avez dû le comprendre, c'est un mur qui sépare totalement deux États encore officiellement en guerre. Elle doit éviter le passage des hommes, mais aussi des biens, des capitaux et des idées du sud au nord. On peut la considérer comme un vestige de l'opposition est-ouest de la guerre froide. La chute du monde communiste a isolé la Corée du Nord, malgré sa proximité idéologique avec la Chine. Le rapprochement qui semble s'amorcer entre les deux États n'est aujourd'hui pas simple, car la péninsule hérite d'une histoire difficile, marquée par la guerre et de nombreux morts. Ce rapprochement dépend aussi de l'influence des autres puissances comme la Chine, le Japon et les États-Unis. L'intérêt du monde, selon moi, pour l'évolution de cette frontière n'est donc pas seulement anecdotique.
Elle met en fait cette frontière en avant des enjeux internationaux entre les puissances internationales. L'évolution de la situation à la frontière des deux Corées peut tout aussi bien entraîner des efforts de paix que susciter des tensions entre les deux États et par là même entre leurs soutiens respectifs. La guerre froide est finie, mais la concurrence entre grandes puissances perdure. Voilà, nous avons maintenant fini cet axe 1. Nous avons étudié les enjeux géopolitiques du traçage des frontières à travers trois exemples qui n'ont rien à voir historiquement les uns avec les autres, mais qui doivent aider à cerner l'objectif politique de l'existence des frontières, se protéger, s'accorder pour le partage d'un territoire, se séparer d'un régime politique ennemi. Dans le prochain axe, nous étudierons les débats que peut poser la création d'une frontière terrestre avec l'exemple de l'Allemagne et de la Pologne, mais aussi aujourd'hui les enjeux des frontières maritimes. D'ici là, reposez-vous l'esprit, ne passez pas votre temps devant Netflix ou à manger, lisez des choses intelligentes et mangez des légumes. Au revoir.